Vous auriez des minutes? Non, merci. Parfait. Alors, merci. Ready. OK. If I ask you... People are going to be celebrating the International Refugee Day. Does it ring a bell to you? Yes. C'est une journée de solidarité déjà entre les peuples, voilà, et inclusif dans la société globale de la citoyenneté. La journée mondiale des réfugiés, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. C'est une bonne idée de penser universellement aux réfugiés qui quittent leur pays parce qu'il y a la terreur, ils ne savent plus vivre comme avant, ils n'ont pratiquement plus rien à manger dans quelques régions et ils sont poursuivis soit pour leur religion, soit parce qu'ils sont de trop, comme on dit. Hein. Ça me fait penser surtout aux Ukrainiens d'abord en ce moment, mais bien évidemment, il y a d'autres réfugiés que les Ukrainiens. Je ne veux pas dire qu'ils volent la vedette, parce que ça serait un peu exagéré de dire ça, mais ils prennent un peu tout l'espace dans les médias, alors qu'on en a aussi d'autres pays. Je pense qu'ils sont plus ou moins bien accueillis ici, mais on ne connaît pas toujours le détail du comment, qu'est-ce, etc., de est-ce qu'on en prend assez. C'est difficile parce que il y a tellement d'étrangers ici chez nous, il y a la moitié qui sont des étrangers. Hein. Bon, on les accueille comme il faut, ils travaillent et ils gagnent assez bien ici. Et il y en a beaucoup qui viennent ici travailler pour prendre leur pension qui est plus élevée pour retourner dans leur pays natal qui aime comme toujours leur pays où ils sont nés et ils savent bien vivre après. J'ai aucune idée là parce que c'est pas très éloigné l'un de l'autre, donc je dirais quand même plutôt 6000, mais je suis bon, oui. C'est bon. Voilà, mais si on peut en prendre plus, moi je suis pour. Il faut savoir aussi comment les héberger, sous quelles conditions, etc. Et juste les mettre dans des... Là où je ne suis pas d'accord, c'est que si on les accueille juste pour les accueillir et les mettre dans des grands centres où ils ont juste une... même pas un lit ou presque, ce n'est pas la solution non plus. Non, ça, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas. Il y en a maintenant, je pense, avec l'Ukraine, avec la guerre, à mon avis, je pense que ça doit être très haute. Mais précisément, je ne sais pas, ça peut être 10 000, je ne sais pas. I think I went in the newspapers 4,000 because I'm preparing a twin city agreement between Esch-sur-Alzette and a city of Ukraine. We will be the first city to have an agreement with a city in the west part of Ukraine to help them because they have a lot of intern refugees coming from Donbass and the eastern part of the country. So I think it must be 4,000. We do not have many refugees in Luxembourg. I think we do not have many. Although there are people who say we have too many refugees, but I do not think that we have many here. Yes, for refugees, life is not easy in Luxembourg because they need to get their papers and they do not have much income in Luxembourg. So they have quite a difficult situation. And the most difficult for refugees is, as for all people that live in Luxembourg, is to find a place where they can live. A house, because we do not have housing at good prices, at normal prices, I would say. So for refugees, they have to stay very long in places like Shuk or like tents or hotels, where it is difficult to get a normal life. Between 200, I read something about 250 euros. Yes. Correct. Do you think that's enough? Well, looking at the prices and the living standards here, I think it's a first help.
when they come, when they get the status. And I think that a lot of people, especially from the Ukraine people, they want to go back to help their country to be rebuilt. But people staying here for longer, I think 250 euros are really not enough. No. Écoutez, pour les débuts, s'ils sont logés, nourris, ça va. Mais pour un pays comme le Luxembourg, c'est pas assez. Hein, voilà. Je ne sais pas maintenant s'ils sont autorisés à travailler ou pas. C'est ça le problème. Si je ne me trompe pas, entre la deuxième et la troisième, entre les deux là. C'est la première, c'est... 250 euros par mois. Ça oui. me semble assez. C'est tellement cher au Luxembourg que ce n'est pas assez. Pour moi, non. Je suis désolée parce que c'est très cher. Maintenant, au Luxembourg, c'est bien cher maintenant. Oh zut, ça c'est passé. On ne fait rien avec ça. Donc, je me disais bien, j'avais lu un truc un jour de... Mais je croyais avoir lu 50 euros par jour, donc j'avais tout faux là avec ça. Et s'ils n'en ont même pas 20, avec ça, on n'est pas sauvé, surtout ici. 230, qu'est-ce que c'est? Si tu prends une bière ici, en ville, tu payes pour une petite bière 4 euros. It's really not much. But we have free transport. There are advantages to live in Luxembourg. You can help also get at other places. But on the other hand, life is very, very, very expensive here. You cannot make any savings with 250 euros. Housing is a very crucial problem. Well, then the integration of these people and even informing people living here. So this must be the real mixture, but these must be the priorities, yes. You do already a good thing. You do report about refugees. That's already good. I really think we need the refugees. We it's not a question we do not need them. We need them. And I would say, yes, the government, but they need to get opportunities, housing, schools, they need to get a possibility for good integration. Augmenter et les moyens financiers, augmenter aussi le, disons, le côté professionnel et augmenter le bénévolat pour les entourer. Et ils ont besoin aussi beaucoup d'amour parce qu'il y en a beaucoup qui le rejettent, parce qu'ils sont dans la rue. Mais c'est pas juste. Un abri, pourquoi on ne trouve pas toujours un logement? Pour qu'ils puissent vivre un peu raisonnablement, disons. Hein. Ce n'est pas toujours facile, mais quand même, on ne peut pas tout faire, mais on fait ce qu'on peut. Hein.